Aujourd'hui, nous communiquons sur Xavier et Jean Tiberi, car c'est un scoop, ils seront là dans une semaine. J'ai loupé Maurice Papon, j'ai aidé comme j'ai pu Mobutu le Grand ou Augusto Pinochet, vous comprenez. J'ai loupé Maurice Papon, mais Xavier et Jean, je ne les louperai pas, il faut qu'on les accueille, et pour cela, il faut se serrer les coudes, être solidaire, et n'avoir pas peur de mettre la main au porte-monnaie. Martin Lefoireux, maire du 21e arrondissement. Enchanté. Bonjour, enchanté, madame. Vraiment, oui. Je suis en train de faire une petite collecte, car nous allons accueillir bientôt dans nos murs Xavier et Jean Tiberi, car vous savez qu'ils ont de gros problèmes. Et à partir de la semaine prochaine, on va les accueillir ici, plutôt que les voir partout. On va les aider. On va les aider. Très bien. Vous pouvez juste leur faire un petit message de bienvenue. Bienvenue, Xavier. Bienvenue, Xavier et monsieur Tiberi. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. De rien. Au revoir. Au revoir. Accueillir, par exemple, chez vous, Xavier, un soir par semaine ou un soir par mois. Parce qu'elle peut proposer, par exemple, aux hommes seuls, même aux hommes mariés, des rapports sexuels fictifs, ce qui est quand même assez intéressant. Moyennant des sommes d'argent tout à fait négligeables. C'est elle qui me paye, oui. C'est elle qui, évidemment, c'est elle qui paye. Mais seriez-vous prêt à l'accueillir, vous? Ah ben oui, sans le mari. Sans le mari, oui. Il est là, mais il regarde, simplement. Ah ben, c'est bon. C'est bon. Alors, vous pouvez juste faire un petit message de bienvenue à Xavier? En plus, je suis un PR. Xavier, bienvenue dans le 21e, je t'attends. Je t'attends, Xavier, bienvenue. Et seriez-vous prête? Ah, j'ai pour, plus rien, là, par contre. Une pièce, ou je sais pas. Ah non, pour Xavier et Jean, une crotte de chien, peut-être? Attendez, j'ai... C'est pour Xavier et Jean, je communique sur eux en ce moment, mais DSK va bientôt faire partie aussi de nos concitoyens dans le 21e. Mmh. On veut accueillir tous ces gens. D'accord, ok, ça va pas être possible pour moi, excusez-moi. Vous êtes tellement charmant. À plus tard. Dernièrement, Bernard Tapie, qui s'est caché pendant longtemps dans le 21e arrondissement, a été aidé grâce à nos services. On lui a trouvé un emploi de comédien, ce qui lui va très bien, je crois. Hein. Parce qu'avant, il a fait un peu de rap, mais ça n'a pas très bien marché. C'est-à-dire que le rap n'a pas très bien marché avec lui. Le problème du rap, c'est les rappeurs. Ça, c'est un gros problème. Vous comprenez? Voilà. Merci, madame. S'il vous plaît, pour Xavier. Vous prenez les billets, j'espère. Hein. On prend les billets aussi. Les billets, une petite pièce pour Xavier. Car bon, c'est des gens qui ont un train de vie quand même assez important. Il faut accueillir deux personnes, plus les enfants. Voilà. Merci beaucoup, merci pour Xavier. Alors voyons voir où on en est. Eh ben dis donc, c'est pas mal pour une matinée. Alors ça sera pour elle. Et ça, ben, il est bien évident que je suis obligé de me prendre ma petite part, parce que moi j'ai des frais de fonctionnement. Mais bon, c'est pas au vieux singe qu'on va apprendre à faire la grimace. Et cette technique, je la tiens de Jean et de Xavier en personne. Bravo.